Quand j'ai eu l'examen d'entrée en septième année, mes parents voulaient que je me marie. Je voulais continuer mes études, mais c'est l'ignorance. Mes parents ne connaissent pas l'importance de l'éducation d'une jeune fille. Il m'a dit forcément que je vais me marier. Je me suis souciée. J'entendais toujours notre professeur de physique dire en classe, si vous avez des problèmes dans la famille, vous pouvez m'informer. Je suis venue, je l'ai informé. On est parti voir notre principal. On a expliqué. Un jour, il est parti voir mes parents. Il l'a sensibilisé pour que je continue mes études. Mes parents m'ont promis que je vais étudier. Dans ce cas, j'ai l'esprit de former l'association des jeunes pour la défense des droits de l'enfant, AJD. Cette association est là pour vision de lutter contre les mariages précoces, forcés, l'excision, la violence, les travers sociaux, augmenter les taux de l'escolarisation des enfants et surtout les jeunes filles. Cette association est très importante. Ça attire les parents à soutenir ces jeunes filles. Avant aujourd'hui, les parents s'intéressaient seulement à la scolarisation des garçons. Aujourd'hui, sur 700 élèves, il y a près de 250 filles inscrites au collège. Il y a eu un grand changement parce que de porte en porte, on sensibilise les parents pour qu'ils envoient les filles à l'école. Il y a trois principales activités dans notre association. Sensibilisation, mentorat avec les bourses et les formations de salles de technologie. Pour mieux avoir le talent dans le marché d'emploi, ça va motiver les parents d'élèves encore de laisser les enfants de venir apprendre l'ordinateur. On est parti voir les membres de l'islamique pour les expliquer de faire la sensibilisation pour nous aux mosquées. Moi, je pensais l'excision existait dans le Coran. Les membres de l'Église islamique m'ont expliqué que l'excision ne se trouve pas dans le Coran, juste une traduction. L'association est là et il serait là toujours.